Devinez le développeur de ce magnifique jeu. Si t'as d'autres Il faudra suivre Valentin Manzi de près aujourd'hui. Il a fait ses preuves chez Vox et a permis à l'écurie de gagner en popularité auprès des fans. Mais attention, Manzi a beau être un mec sympa hors des circuits, une fois la visière baissée, il ne laisse aucune chance à ses compétiteurs. Il faut que tu finisses dans le top 7 aujourd'hui. Bon courage, on a de quoi rivaliser avec Vox. Il faut qu'on leur mette la pression. Vous voulez pas garder les gars. Non, tu vas encore un jeu, tu vas te dire comment faire. T'as vu vite. T'as vu le 2, 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 t'as vu le 2. Bon allez, c'est chaud que KO, hein. Merde. Suis le truc. Ah, dernier tour à donner. 1, 3, 7. Accident pour notre deuxième voiture. Coéquipier maintenant en 8e place. J'ai peur sur internet. Oh, le virage qu'il vient de prendre. C'est quoi ce jeu? Je grille des jambes. Vous regardez pas mon partage d'écran, les gars?
Vous regardez pas mon partage d'écran, les gars? Allô? Vous regardez pas mon partage d'écran, les gars? Bravo, super boulot. Vous risquez d'être déstabilisé après cette performance. Je roule bien. Je roule bien, j'ai plus de capot quand même. Bon, c'est bon, on va pas parler. C'est qu'un détail, quoi. Ah, je suis qu'au niveau 4, comment tu fais pour passer au niveau 5? Mais comment on fait pour monter aussi vite? Ouais, je suis prêt. Ah, j'espère que je vais rien dire de gênant. On n'enregistre pas les trucs gênants. C'est quoi ton nom? Tom, enchanté monsieur. Tom. Ça va bien? Tom. Ok, c'est carré, c'est parti. Hey, ici Valentin Monzi, je suis 10 fois champion du monde de grid. Non, je déconne en fait. En vrai, j'ai jamais gagné. Mais ça s'est joué de peu. Résultat pour la Seneca 22. Il paraît que le rookie a pété l'arrière de la Dumont. Ouais, on doit encore ajuster le nouveau système de freinage. Ça te va, ces histoires? On embauche un amateur si proche du lancement de la saison. C'était pareil pour toi, avant qu'Ado t'engage. Ah, je crois que t'as une Dumont à réparer. La Seneca numéro 22 et Valentin Manzi nous ont offert de belles batailles cette année. Pouvons-nous espérer les voir s'affronter une fois de plus aujourd'hui? Thank you.
50, 4. Dernier tour à donner, 49, 3. Seneca ne cesse de nous impressionner ces derniers temps. Avec leur nouveau duo, l'écurie rivalise maintenant avec Bolt. Pas un ami là.
a donné 1, 35, 9. Sur la Dumont. Bien joué, 22. Au vu de leur performance actuelle, on dirait que CDK a trouvé un deuxième pilote à la hauteur de Yume. L'heure de gloire a-t-elle sonné pour CDK ? T'as entendu ça? On s'est fait remarquer par Volts. Ne t'étonne pas si Manzi passe à la vitesse supérieure. Bonne chance. Les conditions sont mauvaises en piste. Évite de prendre trop de risques. C'est bon, t'as dépassé les bords là.
conditions étaient mauvaises. Sadi Leblanc vient de perdre le contrôle de son véhicule. We'll be right back.
Le public commence à constater que le pilote Seneca est bourré de talent. Mais faire quelques bonnes courses ne garantit pas forcément le succès sur l'ensemble de la compétition. Hé, hey, on rivalise avec Vol sur le circuit, non? Et Marcus Addo est sous pression et il doit obtenir de bons résultats cette saison. Oui, d'accord. Si on maintient pas, c'est sans importance. La triste réalité, c'est que soit Seneca fait une remontée fracassante, soit c'est la fin pour l'écurie. Non, je suis pas optimiste, je suis confiant. Essaye aussi. Yumi Tanaka est dans une bonne position pour aller chercher de gros points. Mais j'imagine que numéro 22 va également vouloir ramener un bon résultat à l'équipe. Que tu finisses dans le top 8 aujourd'hui.
travail. Ne te relâche pas. Voitures qui sont différentes. En effet, les pilotes peuvent déployer un boost pour dépasser leurs compétiteurs pendant la course. Ce boost de vitesse temporaire peut être rechargé une fois par tour en passant dans la zone de boost. Les zones de boost ne se trouvent pas sur la trajectoire idéale de course et il peut donc être un peu risqué d'y passer. Ceci étant dit, ce boost peut également vous propulser à la première place. Super. Eh bien, Yume, bonne chance en piste. Et Manzi, attention, la course ne s'annonce pas de tourpeau. Il faut que tu finisses dans le top 5 aujourd'hui. Bon courage. Je compte bien finir cette course. Tu seras pas seul cette fois. Cette fois.
n'oublie pas de passer dans la zone de boost. Le gain en vitesse n'est pas négligeable. Ce dernier tour, ton chrono était de 2, 10, 7. Ce dernier chrono était de 2-2-0.
performance, 22. Bien joué. C'est un nouveau résultat sensationnel pour Seneca. Volt doit sentir la pression monter. Les choses, on pourrait être face à Raven West la prochaine fois. Bonne chance! Au
lâche rien jusqu'à l'arrivée. On y est presque. Coéquipier impliqué dans un crash. J'arrive pas à y croire. On l'a fait. Vous pouvez être fier de vous. On mérite amplement notre place en Pro League. Cette saison des Green World Series nous en met plein la vue. Et maintenant, Seneca et Bolt rejoignent la Pro League et retrouvent les célèbres Vulpini, North Point et bien sûr les fameux Raven West menés par Nathan McCain. Des Grid World Series se fait entendre pour les Pro Series. Les équipes devront rester hors de la zone d'élimination et faire partie des 8 dernières écuries pour se qualifier pour la finale, plus connue sous le nom de Gauntlet. Ça va prendre longtemps. C'est pour moi, l'eau ? Pardon. Merci bien. Interview Nathan McCain, prise 1. C'est qui ce mec ? Vous avez vu ce nouveau resto avec les homards ? Vous devez choisir lequel vous mangez. Vous allez genre devant un gros aquarium, là où ils sont genre bleus et glauques, et je veux buter cet animal-là. Est-ce que je l'ai tué ? Non, je suis pas un animal. Ok, on peut y aller. On peut commencer par votre nom et une présentation ? Ils savent qui je suis. Hey, je suis Nathan McCain. Quintuple champion du monde grid. Le 6e titre pour bientôt. Et ça, c'est un nouveau record. Yo, yo, yo! Hey, écoute. Tu prends la deuxième place si tu peux, mais tu restes derrière Nate. C'est compris ? Oui ? Ouais, compris. Hé, hey, mon neveu préféré ! Dis-moi, c'est quoi toutes ces caméras, là ? Je sais pas, un genre de documentaire sur Grid. Ok. En fait, c'est sur Seneca. Waouh, je préfère encore avaler mon vomi. Bonne chance. Sérieux. On cherche
juste apprendre nos marques. L'idée n'est pas d'aller se frotter à Raven West immédiatement. On veut faire monter la pression lentement, mais sûrement. Je dois dire que les couleurs de l'étude sont splendides sur cette voiture. Dans les virages serrés. Il vaut mieux privilégier l'adhérence au drift. Mais j'imagine que tu le sais déjà. Mais a dit plein de bonnes choses à ton sujet. Et crois-moi, elle est du genre à dire les choses telles qu'elles sont. Je la connais bien, et je sais qu'elle attend de bonnes performances de ta part. Mais elle n'a pas de quoi être déçue. Il faut maximiser l'aspiration ici. Cale-toi derrière un compétiteur. Reste dans son sillage pour gagner en vitesse et dépasse en fronde. Attention aux limites du circuit ici. On risque de prendre une pénalité si on sort de piste, ou si on coupe un virage. Thank you.
deuxième voiture s'est retrouvée impliquée dans un crash. Un crash et a perdu des places.
Interview McCain, prise 1. Ok. Deux secondes. Ok. Bon, merci d'avoir pris votre temps pour être avec nous. Je voulais vous parler de l'écurie Seneca. Seneca, c'est l'équipe en bleu et blanc, c'est ça? Je dois dire qu'ils se ressemblent tous dans les rétros. Écoutez, vous savez comment Raven West reste au top, année après année, course après course? C'est pas une théorie abracadabrante de Farfadet. En fait, c'est un truc qui manque toujours aux écuries comme Seneca. L'argent. L'argent et la beauté. Vous savez, être beau, c'est pas facile. Franchement, vous avez de la chance. Hey. Ah, ouais, bien sûr. Pas de problème, merci. Le prochain loser qui me colle son téléphone au visage, je lui explose son portable. Hey, tu devrais être reconnaissant. C'est grâce aux fans qu'on peut faire ce métier. Non, c'est grâce à l'argent de mon oncle que tu fais ce métier, tu vois. Puis tu sais quoi, je les emmerde. Ils me kiffent quoi que je fasse. Nous sommes rejoints par Ajit Singh, ingénieur en chef chez Seneca. Ajit, Seneca semble avoir enfin trouvé le turbo gagnant. J'ai eu le plaisir de croiser Nate tout à l'heure. Il est vraiment charmant, ce garçon. Notre deuxième voiture a perdu quelques places suite à un crash.
Bridget. Seneca semble avoir enfin trouvé le turbo gagnant. Êtes-vous satisfait de vos performances jusqu'ici? On est très content. Yume et 22 travaillent bien ensemble. On a donné du fil à retordre. J'ai eu le plaisir de croiser Nate tout à l'heure. Il est vraiment charmant, ce garçon. Thank you.
chaos sur la piste, Seneca ne se laisse pas démonter et il faudra les surveiller de près dans cette procédure.
les tours a été bouclé en 1:59. Un œil aux voitures au garage. Et c'est le moment de dire au revoir à Chicago, mais les Great World Series continuent et le Gauntlet est proche. On se retrouve très vite pour la prochaine course et en attendant, c'est pizza pour moi. Claire, elle est passée où la pizza? Comment ça, c'était la dernière fois? Ah ouais, ok, je vois.
comprends pas comment ils font ça. Le système d'injection, peut-être ? C'est pas les voitures. C'est McCain. Ce gars est une force de la nature. Et puis naître avec une cuillère d'argent en bouche, ça aide. Si Ravenwest veut, Ravenwest achète. Qu'est-ce qui vous a amené chez Ravenwest ? Je venais de gagner un festival urbain à Brasilia et Marcus Addo m'a offert une place chez Seneca. J'ai même pas hésité. Mais avant que je signe, Ryan McCain m'a proposé deux fois plus pour rejoindre Ravenwest. Meilleure équipe, meilleure voiture, une chance de marquer l'histoire. Je pouvais pas dire non. Évidemment que c'est possible. Non, je vous en prie. Super, merci. Tu vois ? Vous regrettez votre choix ? Pas si on gagne.
vise pas le temps de Raven West. C'est hors de notre portée. Essaye tout de même de t'en rapprocher. D'après les données de télémétrie, il gagne en vitesse sur les lignes droites. C'est comme s'il avait plus de chevaux que ce qui est autorisé. Le rythme de Nate est impressionnant. Il faut avouer qu'il a du talent. Mais on devrait pouvoir atteindre un rythme quasi similaire sans trop de problèmes. Grosso modo, s'il passe devant, c'est mort. Tu pourras pas le rattraper. Je suis rapide. 22 est rapide. Normalement, on devrait pouvoir rattraper Nate. Mais j'ai du mal à voir dans quel virage on peut aller plus vite. Continue. Essaye de gagner au moins une seconde au tour. Presque comme s'il avait un rapport supplémentaire. Impossible de dire ce qui fait qu'il est meilleur que nous. J'ai presque envie de demander au commissaire d'ouvrir une enquête. Mais on fait pas ça chez nous. Et puis, c'est les champions en titre. J'imagine bien qu'ils sont rapides. Il faut qu'on trouve un moyen de les battre. Lara tourne moins vite. C'est plus proche de mes estimations. Ses chronos sont rapides, mais c'est faisable. Sa voiture est sur un rail dans les virages. Pas en adhérence, et vu ses vitesses de passage, je m'attendrai normalement à le voir survirer. Ok, 22. Rentre au garage. On va jeter un œil aux données. Numéro 22 termine en 3e position ce soir. Les deux Seneca grimpent sur le podium aujourd'hui. C'est encore une belle course pour l'écurie. McCain l'emporte, mais les Seneca ne lui ont vraiment pas facilité la tâche. Que pensez-vous des performances actuelles de Seneca? En un mot, exceptionnel. Incroyable. Correct. Reposez-moi la question et vous allez voir. Non seulement ils ont réussi à se hisser dans le haut du milieu de peloton avec un petit budget, mais surtout ils peuvent enfin compter sur deux pilotes. Maintenant, à l'heure qu'il est, on est au meilleur de notre forme. Mais quand vous réussissez, les gens veulent plus. On va devoir leur montrer. Nous sommes en direct avec Nathan McCain, pilote Raven West. Nate, vous vous sentez prêt pour la course? La nouvelle menace Volt-Seneca vous effraie-t-elle? Par contre, juste pour clarifier les choses, pilote numéro 1 chez Raven West, merci. Et pour faire court, aucune écurie ne me fait peur, qu'elle soit nouvelle ou non.
La seule chose qui m'importe, c'est de courir pour mes fans. Parce que sans eux, on pourrait pas faire ce métier. Merci et bonne chance, Nathan. Et à en juger par le nombre de t-shirts Raven West dans les gradins, vos supporters se sont déplacés en masse aujourd'hui. Bonne chance 22. Thank you.
c'était pas facile aujourd'hui. Leur abandon au premier tour aura sans doute ébranlé les ambitions de North Point. Mais comme le dit l'adage, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Et Seneca peut se réjouir du résultat obtenu aujourd'hui. Seneca semble être parfaitement à l'aise en Pro League. Ils ne sont toujours pas au bout de leur peine, mais jusqu'ici, tout se passe bien pour eux. Et les pilotes ont une nouvelle chance de prouver tout leur talent dans la catégorie électrique. Attention à ne pas rater les zones de boost. Voilà, messieurs, dames, on a terminé Grid Legend pour aujourd'hui. Ça fait plus de 2 heures qu'on est sur Grid Legend. Le prochain épisode sur Grid Legend, je pense qu'on terminera la première saison. Et on verra pour... Je pense que le prochain épisode, on aura terminé la première saison. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis. On était très nombreux aujourd'hui. Je pense qu'on était 20... pas loin de 20 sur le live. J'ai un peu désactivé ma voix parce que moi, comme vous l'avez vu, il y a des cinématiques et je ne veux pas d'écho sur mes lives. Donc on se retrouve très bientôt pour la suite et fin de cette première histoire, et puis on verra pour faire les chapitres 2, 3 et 4. À très vite pour de nouvelles aventures sur Grid Legend. Ciao ciao.